Coucou les petits musiciens, j'espère que vous allez bien. Nous aurions dû nous voir hier pour notre séance de musique, mais nous sommes confinés. Vous me verrez donc à travers une vidéo chaque semaine. Avant les vacances, nous avions parlé de nos poissons. Souvenez-vous, les rouges, les oranges et les jaunes qui jouaient à cache-cache, s'amusaient à tourner en rond, mais ne devait pas être vu par le crocodile. J'ai décidé de vous raconter une nouvelle histoire. Écoutez bien. En me promenant, j'ai rencontré un âne qui marche. En me promenant, j'ai vu un cheval qui galope. En me promenant, j'ai observé une grenouille qui saute. En me promenant, j'ai admiré un hérisson qui dort, roulé en boule. La nuit tombe et chaque animal va se coucher, sauf le hérisson. Il se réveille et s'étire. Le lendemain, en me promenant, j'ai vu un âne qui marche. Un cheval qui galope. Une grenouille qui saute. En me promenant aussi, j'avais admiré un hérisson qui dort. Rouler en boule. La nuit tombe et chaque animal va se coucher, sauf le hérisson qui se réveille et qui s'étire. Pour te raconter cette petite histoire, j'ai utilisé quelques instruments. J'ai utilisé celui-ci. Deux bâtons de bois que l'on entrechoque l'un contre l'autre et que l'on appelle des claves. Il m'a permis de faire la marche de l'âne. Ensuite, nous avions le tambourin avec une peau sur laquelle j'ai tapé. Pour pouvoir faire le son du cheval. Puis, nous avions cet instrument un peu
strié, que j'ai joué avec une baguette. Je l'ai frotté. Pour faire le son de la grenouille. Et enfin, j'ai utilisé un instrument que tu n'as pas vu, qui était devant moi, qui sont des lames sonores, un peu les mêmes que nous avions utilisées pour les poissons, mais elles n'ont pas de couleur, et qui m'ont permis de te faire entendre le hérisson. Je te propose un petit jeu. Tu vas essayer de marcher à la vitesse de l'âne, de galoper à la vitesse du cheval, de sauter comme la petite grenouille, et enfin, tout au long de mes petites lames sonores, tu vas te mettre en boule et t'endormir. Et tu auras le droit de t'étirer et de te réveiller quand tu n'entendras plus ce son. Es-tu prêt? Attention, on imite l'âne. L'âne, il marche. Marche. Je suis sûre qu'à la maison, tu as réussi. Voyons si tu peux aller plus vite avec le cheval. Lui, le cheval, il galope. Je suis sûre que tu es trop fort et que tu vas nous faire des sauts de grenouille très très jolis. Attention, es-tu prêt? Et... Bien! Très bien! Maintenant, allons voir notre hérisson. N'oublie pas, c'est le moment où tu te mets en boule et tu fais dodo. Et normalement, quand tu n'entends plus rien, tu as le droit de t'étirer, de te réveiller. J'espère que ma petite histoire t'a plu. Retrouvons l'âne, le cheval, la grenouille et le hérisson la semaine prochaine. À bientôt.